Chers internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce qu'on est dimanche, c'est le jour de sabbat chez nous. Donc déjà, je vous souhaite un excellent jour de sabbat. Et justement, je fais cette vidéo pour parler de foi parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai fait, c'est me préoccuper de la foi. Et précisément aujourd'hui, parce que je ne suis pas rendu aux réunions de Sainte-Seine, je m'en veux. Donc, je confesse déjà le péché à mon prochain. Et je demanderai pardon à Dieu, mais bon, il y a quand même quelque chose qui me reste dans la gorge. C'est le fait que je sais que j'ai pas été à la réunion de Saint-Saëns parce que j'ai de graves problèmes de sommeil chroniques. Je suis en train de faire des démarches pour trouver une solution au maintien de mon emploi actuel. Et donc, c'est ça qui m'empêche de me lever le matin, tout simplement, c'est que je me couche à l'heure où il faut y aller. Et donc, du coup, je sais que Jésus va me pardonner, surtout que j'ai une pensée pour lui aujourd'hui, que je fais un témoignage sur la toile, ce qui veut dire que ce témoignage il peut être regardé dans le monde entier, puisqu'on est sur Internet, sur YouTube, et pour ceux qui comprennent le français, quoi. Sinon, pour les autres, j'ai des vidéos très sympas aussi. Et aujourd'hui, ce à quoi j'ai pensé, c'est la Genèse. Et pourquoi j'ai pensé à la Genèse? J'ai pensé à la Genèse parce que, déjà, on a tous chuté. La chute d'Adam pour avoir croqué le fruit défendu. Et je pense à la Genèse, parce que on s'est attaqué à l'homme. C'est le conflit qu'il y a actuellement, on s'attaque à l'homme. Donc j'ai eu cette pensée pour la Genèse, parce que l'homme dominera sur toutes les créatures. Le peuple de Dieu héritera de la terre et pour lui et pour sa postérité. Et ça, c'est une bénédiction qui prouve que Dieu nous aime. Même si nous vivons des temps difficiles, il faut garder l'espoir, il faut garder la foi. Parce que tout ce que Dieu a dit, il a été prouvé aujourd'hui. Je vais très loin là maintenant, parce que le témoignage que je voulais vous rendre, c'était pas ce que je viens de dire, c'était un témoignage aussi. Le témoignage principal, la raison pour laquelle j'ai pensé à la Genèse, c'est parce que vous qui êtes croyants, que vous alliez à l'église le dimanche ou non, vous qui lisez la Bible, dans mes vidéos, je vous ai expliqué que c'était prouvé. C'est ce que j'ai trouvé dans ma recherche. J'ai même dit que je n'étais plus à la recherche, j'étais plutôt au résultat. Et Dieu existe, il y en a plusieurs. Comme dans la Bible, Elohim, c'est un pluriel. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis raélien ou quoi que ce soit. Non, j'étudie Dieu comme un bon orthodoxe sous tous ses aspects. Et donc, l'application de la loi, parce que la loi, c'est la loi. On a tous compris la même chose. On ne veut pas comprendre, on ne veut pas entendre. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que la Genèse, c'est prouver aujourd'hui la théorie de l'évolution. Je peux vous démontrer comment, moi, je n'y crois pas. Mais oui, vous êtes à l'église. Ou pas. Vous croyez en Dieu, ou pas. La théorie de l'évolution, c'est une hérésie scientifique. C'est une science erronée. Pour quelle raison? Bah déjà, parce que ce qui a été prouvé, c'est l'histoire de la Bible. C'est ça, une dernière découverte. On a découvert la technologie des dieux. C'était des gens plus avancés que nous. Et ils nous ont fait à leur image. Réjouissons-nous. Ils veulent que nous soyons comme eux. C'est une bénédiction. C'est encore une grâce. Cette bénédiction est aussi bien spirituelle que temporelle. Donc c'est de la grâce. Et donc, les dieux nous ont laissé des messages pour éviter qu'on répète les mêmes erreurs. Ils ont fait il y a longtemps. C'est ça qui me chagrine, c'est qu'on recommence. La théorie de Darwin,
c'est prouver que Dieu n'existe pas pour moi. C'est comme ça que je le prends. Les dinosaures, l'évolution, tout ça, c'est fou. Pourquoi? Déjà, on n'a jamais retrouvé un squelette complet. Les squelettes qu'on retrouve, en général, ce sont des parties d'os. On n'est même pas certain, avec l'érosion, le temps, les parasites qui rongent toutes les cellules qui sont vivantes sur des millions d'années. On ne peut pas déterminer que tous les os qu'on a retrouvés sont du même animal ou du même Homo habilis, Homo australopithecus. On ne peut pas prouver ça. Déjà parce qu'il y a un chaînon manquant. Et pourquoi il y a un chaînon manquant? Parce qu'il manque quelque chose pour prouver que cette théorie est vraie. Et on ne l'a pas. Par contre, il ne nous manque rien pour prouver que l'histoire que raconte la Bible est vraie. Il ne nous manque rien. On a trouvé la technologie de ces dieux. Et les histoires que raconte la Bible, on trouve des histoires similaires dans toutes les cultures du monde. Tout le monde a reçu le témoignage de Jésus-Christ. Tout le monde. C'est pourquoi, si vous n'y croyez pas, c'est que vous l'avez renié. Ça, c'est ma conviction religieuse. Parce que j'ai choisi d'y croire. Mais c'est comme les tests de carbone 14. Avec l'activité humaine, l'érosion, les cataclysmes, les comètes, on ne peut pas considérer pouvoir dater un événement en se basant sur le fait que les radiations diminuent avec le temps. Avec tout ce que je viens d'énumérer avant, activité humaine, comme Sodome et Gomorrhe, c'est prouvé, il y a eu une explosion atomique. C'est prouvé. On a trouvé des traces. L'érosion. Les comètes. Les choses qu'on ignore. L'activité humaine. Qui fait que les tests de carbone 14, pour moi, ne sont pas forts, mais elles sont. En fait, pour reconstituer un dinosaure ou un australopithèque, on ajoute des pièces manquantes. Ce qui fait que si on n'a pas de modèle, on se base sur quoi? Les dessins dans les hommes des cavernes? On a trouvé des chimères. Ce que dessinent les hommes des cavernes, ils ont aussi dessiné des soucoupes volantes, donc on peut aller là aussi dans ce cas-là. Et oui, des dessins. Alors là, je vous conseille d'aller voir mon blog, tout est expliqué. Mais oui. Des créatures qui peut-être existent, qui peut-être ont existé, mais de là à dire que l'homme descend du singe, c'est faux. L'homme a une origine différente. Alors, là, ce qu'on a découvert, je préfère ne pas le dévoiler. Ce serait trop compliqué, ce serait dépasser la physique quantique, encore une fois. Ce serait arriver à des connaissances qui sont étudiées que dans certaines universités, mais les gens ne savent pas où trouver les réponses. C'est tout. Sinon, ils les auraient déjà trouvées. En tout cas, tout ce que je dis, c'est qu'avec tout ce qu'on a découvert, on va vers un monde nouveau. Oui, l'homme a été créé parce que des reptiliens ont mélangé le sang reptilien à l'Homo habilis. L'Homo habilis, c'était un humain. L'Homo sapiens, c'est le mélange de l'Homo habilis et du reptilien. Et le reptilien, celui qui est complètement reptilien. Alors, qui est quoi? Qui est qui? Tolérance. Amour.
Alors, il y a plusieurs sortes de dieux, mais il y a des dieux d'amour. Je sais que Jésus est un dieu d'amour. Mais Jésus, avant son apparition sur terre, on l'appelait Jéhovah. Enfin, la véritable prononciation. La prononciation originelle a été perdue. C'est un dieu reptile. Bien sûr, c'est un dieu reptile. Il suffit de lire la Bible. Il parle de race maudite des êtres humains. Aussi bien dans la Septante que dans le manuscrit masorétique, que dans les manuscrits de la mer morte. Il en parle comme d'une race maudite. C'est pour ça qu'il se sacrifie, pour qu'elle soit pardonnée. Eh bien, c'est l'unique façon de nous sauver de tout ce brouhaha, parce que c'est des choses que les gens ont du mal à accepter, les différences. C'est pour ça que j'ai du mal à en parler. Parce que les gens n'acceptent pas la différence. Donc je préfère le taire, par réflexe, par sacralité aussi. Parce qu'il y a des croyances spirituelles qui vont avec. Mais elles ont été révélées à l'humanité, donc j'ai le commandement. Je n'ai pas le commandement de les garder secrètes. Je ne dois pas dévoiler ce qui n'a pas été révélé à l'humanité. Et ça, je le respecte. Ce que je dévoile pas, je peux vous le dire, c'est la science qu'on a découvert. Ça, je dévoile pas. Parce que ça n'a pas été révélé à l'humanité. Ça a été révélé à nous. Reptiliens, vampires, on a beaucoup de noms, nous aussi. Goy, aussi, on s'appelle aussi Goy. Gentil, juif aussi. Arabe, parce que ma mère est maghrébine. On a beaucoup de noms, blanc, noir aussi. Urk. Nous aussi, on a beaucoup de noms d'oiseaux. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait une tolérance. Il n'y a que l'amour de son prochain qui permettra de rétablir la paix entre les hommes. Et je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus. Amen.